Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une coque complètement what the fuck accompagnée d'un protecteur pour le bouton home de l'iPhone. Je vous le cache pas que j'ai déjà essayé la coque et je peux vous dire que c'est une tuerie et que je vous la recommande. Sans plus tarder, on va commencer avec la coque. J'ai oublié de le dire mais c'est Banggood qui me l'a envoyé encore une fois. Alors quelle est la particularité de cette coque? Alors c'est que tout simplement dès qu'on pose ses mains dessus, ça va prendre en fait la chaleur de nos mains et ça pourra faire une empreinte de couleur rouge. Il existe des coques dans lesquelles on peut aussi mettre nos mains et avec le froid ça peut faire de couleur bleue. Là il n'y a que la couleur rouge. Là pour l'instant j'ai les mains un peu froides donc c'est pour ça que ça va pas marcher. Mais si je frotte vous allez voir que ça va bien marcher. Ça s'efface assez vite parce que la coque est froide, comme je viens de le dire. Et si je frotte assez vite et dur, ça va faire une traînée rouge vraiment pas mal. Voilà, je l'ai laissé après 2 minutes. Et regardez-moi ça, on peut vraiment faire plein de choses avec. Je peux même mettre mes mains comme ça, ça pourra le faire, mais bien sûr, elles sont pas assez chaudes. Son prix, j'ai oublié de le dire, mais il me semble qu'il est entre 5 et 9 euros. Quand vous le laissez, par exemple, dans votre poche pendant environ 30 minutes, vous allez voir que si vous ressortez votre téléphone de votre poche, la coque sera toute orange, même sur les côtés. Et c'est vraiment stylé, donc là, mon pouce est vraiment chaud. Et c'est vrai que j'avais vu d'autres youtubeurs utiliser la coque et je me suis dit, pourquoi pas à mon tour vous la présenter et me donner mon propre avis. À mon lycée, j'ai essayé avec un briquet et ça a fait toute une traînée rouge et c'était vraiment hallucinant. Si vous recherchez une coque originale ou what the fuck, celle-ci est faite pour vous. Voilà, je voulais juste vous montrer ceci, je trouvais ça vraiment cool à vous la partager. Après, ça se met sur mon téléphone sans problème et ça rend vraiment bien. J'ai un petit inconvénient à lui donner. Si, sans faire exprès, vous griffez la coque, ça se verra assez bien. Et ça, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, on peut le voir en vidéo juste ici, ici et je ne sais plus où. Il me semble que c'est un peu par là. Pour finir la vidéo, on va passer à ceci qui est un protecteur pour le bouton home de l'iPhone. Donc, on va l'ouvrir. Alors, je pense que je vais être déçu car elle est de couleur normale. Donc, manque de bol, je ne l'ai pas reçu d'une autre couleur. Le focus se fait mal mais c'est vraiment minuscule. J'ai plus qu'à le placer sur mon iPhone. Enfin je l'ai terminé et je trouve que ça donne un petit peu de style. Après je suis assez déçu de ne pas l'avoir eu d'une autre couleur comme le rouge ou le bleu, mais bon j'aurais préféré deux couleurs rouges. C'était juste une vidéo pour vous montrer la coque et le protecteur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura énormément plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre d'énormes pouces bleus, ce qui me ferait énormément plaisir, de vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, moi sur ce je vous laisse, c'était Pez, bye bye tout le monde.